Hello tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines, donc je reviens. Donc pour ceux qui savent, j'étais 2 semaines en vacances. Je suis rentrée la semaine dernière. Après, j'étais en déplacement et tout. Donc du coup, je viens de rentrer hier. Et aujourd'hui, je suis allée à Auchan. La semaine dernière, j'étais allée à Leclerc. Je suis restée 2 jours, après je suis repartie. Du coup, je suis allée juste à Leclerc en fait. J'ai pas eu le temps d'aller faire ce que je voulais. Et donc aujourd'hui, je suis allée à Auchan. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris cette semaine, la semaine dernière. Donc, ce que j'ai pris à Leclerc la semaine dernière, je me souviens pas des prix finaux. Je sais jamais. Donc, je vais vous dire juste en fait les remboursements qu'il y a. Donc, après le prix final, je me souviens pas. Je suis désolée. Pas pour tous les produits. Donc, on va commencer. Oh my god, c'est lourd. Alors, j'ai pris du pain. Donc, ouais, j'ai commencé déjà à en manger parce que, bah voilà. Du pain Harris, c'était 1,83€. J'ai donné un bon de réduction de 50 centimes que j'ai trouvé en rayon. Et pareil, j'ai fait 50 centimes sur Filmi. Oh, les 50 centimes sur Filmi. Donc, ça fait 33 centimes. 83. 33 centimes. Donc, le pain demi Harris complet, 33 centimes. Donc, voilà. Ça, je vais racheter un autre. J'ai pris. Ça revient à combien? Je viens plus. J'ai pris du sirop d'oasis comme ça. C'est à combien de litres? 60 ml. Donc 600, 60 centilitres. Donc 600 ml. J'ai pris passion abricot. Il y a plusieurs goûts. En plus, il y a une activité offerte. Donc ça, il faut que je le fasse bah, pour faire l'activité. Savoir ce que c'est l'activité. En profiter là pour l'été. Donc du coup c'était 3,39€. J'ai donné un bon de 70 centimes que j'ai trouvé en rayon. J'ai 70 ou 90? 70. Et pareil, j'ai fait 70 sur Fini. Oh, le 70 sur Fini, ça me revient à 1,19€. Franchement, ça revient même à moins cher que la marque Repair et l'Eco et tout. Et pour un truc, ça doit être super bon ça en plus. Voilà. J'ai pris. Enfin, parce que j'étais partie en vacances et j'avais pas trouvé les Tropicana Juicy comme ça. J'ai pris 2 canettes comme ça. C'était 3,99€, donc presque 4€. J'en ai pris deux. Et j'ai fait 2 remboursements différents. Vous savez maintenant, quand c'est des trucs intéressants, j'achète par deux. Avec 2 tickets différents et je fais 2 remboursements différents. Donc du coup, voilà, je sais plus. S'il y a des remboursements la semaine dernière, quand je l'ai fait lundi ou mardi, il restait genre 200 ou 300. Donc là, une semaine, je sais pas s'il y en a encore. Avant de les acheter, regardez. Il y a les bouteilles, mais moi je préfère en canette comme ça je peux les transporter et tout avec toi. Voilà. J'ai pris du beurre, j'en avais plus. Vu que je suis partie en vacances, bah, j'ai vidé mon frigo, j'avais rien. Donc il fallait que je rachète tout, mais je vais pas tout acheter à plein pot. Vous savez, vous connaissez. Donc il fallait que j'optimise à fond. Du coup, j'ai pris le Saint-Hubert, c'est nouveau ça. Je connaissais pas. C'était 2,23€. J'ai donné un bon de 60 centimes que j'ai trouvé en rayon. Et je fais 60 centimes sur Fini. Oh, 60 centimes sur Fini. Donc ça me revient à 43 centimes, un truc comme ça. Moins de 50 centimes le beurre. Donc franchement, au moins, je mange pas beaucoup de beurre. Donc du coup, c'est juste. J'achète un de temps en temps quand j'en ai besoin. J'ai pris des KitKat comme ça. J'avais pris avant les vacances. Et pour moi, ça valait trop beaucoup. C'est 3,74€. J'ai donné un bon de 60 centimes. J'ai demandé 60 centimes sur Coty, 60 centimes sur Couponator, 60 centimes sur Igral Market. Je me souviens plus. Après, j'ai fait Ubay Club. Ubay Club, c'est pas encore accepté. Donc, du coup, j'attends. La dernière fois, ils m'avaient accepté toutes mes offres que j'avais faites avant de partir en vacances. Donc, du coup, j'espère que là, ce sera accepté. Je me souviens plus. Je sais plus combien ça fait au final. Mais bon, ça vaut le coup quand même. J'ai pris des Lipton comme ça. J'ai pris 2 bouteilles encore. De 1 litre et demi. Ça coûte 1,50€. Donc, ça fait 3 euros. J'ai donné un bon de 80 centimes que j'ai imprimé sur Igral pour achat de 2. Pareil, j'ai fait 80 centimes sur Coupon Network et 80 centimes sur Igral Market pour achat de 2. Et je fais 50 centimes sur Feed Hall pour achat d'une bouteille. Donc, du coup, en fait, ça me revient à 10 centimes les 2 bouteilles. Donc, ça fait 5 centimes en bouteille. Avec l'été, c'est parfait. Et j'ai pris des pestos comme ça, vous avez une offre. Sur le pesto, ça passe, je crois, à 3 euros les deux, genre 2,90 euros, un truc comme ça. J'ai pris un au pesto et un pesto rouge, c'est très bon. Donc, du coup, j'ai donné 2 bandes de 60 centimes, donc 1,20 €. J'ai fait 2 fois sur Feed All et Feed Me, 60 centimes, 60 centimes. Du coup, vu que j'ai pris 2 variétés différentes, ça passe. Et donc ça me revient gratuit. Voilà, du pesto gratos. Voilà pour. Qui est de. Ça me salit là. Le sac en joue là, ça me.
J'ai pris un skyr, les yaourts skyr, vous savez, à 2,20€. J'ai donné pareil 50 centimes de bons que j'ai imprimé sur Egral. J'ai fait 50 centimes sur Feedall, pas Feedall, Coupon Network, Egral et tout. Donc voilà, vous savez. Alors, il y a un jeu chez Auchan, je sais pas si vous le savez, mais je voulais déjà partager normalement avant que je parte en vacances début juin. Ou quand ça a commencé, je sais plus. Il y a un jeu où tu joues tous les jours et tu gagnes des bons d'achat. 3 euros, 2 euros, 1 euro, 5 euros, 10 euros, des activités. Bref. Jusqu'à maintenant, je gagnais 2 euros, 1 euro, 5 euros. Ce matin, je me réveille, je me dis, bon, je vais jouer. En fait, je joue pas toujours à la même heure. Des fois, je joue l'après-midi, genre quand je me souviens, tu vois. Ce matin, j'ai joué à 7h30, je crois, à 8h moins quart. Et j'ai gagné un bon d'achat de 10 euros. Donc, je me suis dit, tant mieux, franchement, je voulais acheter des trucs pour remplir mon frigo. Parce que vu que j'étais en vacances, j'avais rien. Et je pars et tout, les bons ils passent pas et tout. Non, mais franchement, c'était un carnage. Tous mes bons que j'avais gagnés pendant mes vacances, parce que je jouais tous les jours quand même quand j'étais en vacances, je gagnais 5 euros, 2 euros, 1 euro, tu vois. Et j'ai cumulé quand même, avec le bon d'aujourd'hui de 10 euros, j'ai cumulé 42 euros. Mais quoi, ça fait comme de l'argent, tu vois. Je pars et tout pour faire mes courses, et aucun bon ne passe. Je comprends pas, alors que c'est la même carte, enfin, ils sont valides, je les ai même pas utilisés et tout. Je vais à la caisse, je voulais pas y aller, franchement, je voulais même pas y aller. Je me suis dit, vas-y, je me casse la tête et tout. J'ai eu honte un peu. Et je lui dis, bah, les bons, ils passent pas. Elle me dit, ah, c'est bizarre et tout. Nanana. Elle me dit, bah, je vais vous mettre, parce qu'au début, je parlais que du bon de 10 euros, tu vois. Je voulais le mettre sur la carte fidélité, sur la cagnotte. Après, je lui dis, bah, j'en ai encore plein. Elle me dit, ah bon, d'accord et tout. Bah, c'est pas grave, elle m'a dit, je vous les mettrai dans la cagnotte. Et donc, du coup, en fait, je lui disais les bons que j'avais 5 euros, 12 euros et tout. À chaque fois, elle rigolait. En fait, oh, je suis conne parce qu'elle m'a mis 37 euros sur ma cagnotte, tous mes bons que j'ai gagnés, mais j'ai oublié un bon de 5 euros. Je suis trop débile. Donc, du coup, c'est pas grave. Normalement, je devais avoir 42 euros et j'ai eu 37 euros. Donc, c'est déjà, elle est très gentille. Franchement, elle a même pas vérifié. C'est moi qui lui disais à chaque fois avec mes mails, je regardais. Donc, elle aurait pu vérifier, tu vois. Mais elle a même pas vérifié. Elle m'a fait confiance. Je lui disais juste le montant de mes bons. Elle notait, elle notait. Mais après, elle m'a mis tout dans la cagnotte. Et donc, c'est tant mieux. Donc, j'ai eu 37 euros en cagnotte. J'ai payé 21 euros et quelques. J'ai pas tout payé parce que, bon, voilà, je me suis dit, je prends la base. Donc tout ce que j'ai pris à Leclerc, à Auchan, j'ai payé 21,94€, sachant que j'ai pris un produit 100% remboursé à 2,85€. Donc du coup, bref, voilà. Franchement, jouer tous les jours, on sait jamais. Franchement, moi, les bons, les premiers bons que j'ai gagnés, j'avais déjà fait. Avant que je parte en vacances, j'avais déjà dit. Mais franchement, il passe, je comprends pas là, il passe plus, je comprends pas. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris essentiellement de la viande et tout, parce que vu que je puis rien, j'ai pris des brochettes à 7 euros, j'ai pris des cuisses de poulet à 2,42 euros. Bah en fait, parce qu'à chaque fois, j'achetais des trucs et je les ai tout déposés parce que bah, les bons, ils passaient pas. Donc quand elle m'a mis tout sur ma cagnotte, bah, j'ai tout pris ce que je voulais. J'ai pris des escalopes de poulet à 3 euros. J'ai pris des tranches de volaille comme ça à 1 euro. Ça sert quand tu fais, tu sais pas comment manger, tu fais des toasts, voilà. J'ai pris des steaks comme ça, 3,55 euros. Voilà, j'ai pris vraiment des trucs frais parce que ça m'évite d'aller chez le boucher, quoi. Donc, là, au moins, j'ai économisé 20 euros chez le boucher. Donc, c'est cool. Et c'est ça que j'ai pris à 100% déduit ou remboursé. Donc, du coup, de Riance, Riance, oh non, c'est à, je sais pas si je vais aimer, la crème catalane saveur citron et cannelle. J'ai pas trouvé d'autres goûts, donc je sais pas du tout. Citron, cannelle, I don't know, je sais pas. Donc c'est pour ça. Et j'ai pris ça, la crème, j'avais n'avais plus non plus, à 2,04 €. Donc voilà, franchement, toutes mes courses gratuites grâce à Auchan, je suis trop contente. Voilà, n'hésitez pas à jouer, franchement. Ça vaut grave le coup et le jeu il est valable jusqu'au 29 juillet. Donc voilà, jusqu'au 29 juillet, vous pouvez jouer tous les jours, tous les jours, tous les jours et essayer de gagner des bons. Il y a un autre jeu, Auchan, non, Flinch. Je sais pas si vous savez ou pas, ça je voulais pas partager non plus parce que je l'ai su quand j'étais en vacances, mais ça marchait pas quand j'étais au Maroc, l'application pour jouer. Donc du coup, j'ai commencé à jouer vraiment quand je suis rentrée en France la semaine dernière. Bon, du coup, voilà. Tu joues aussi pareil tous les jours sur l'application Flunch. Il y a un jeu tous les jours, il faut trouver des paires. Voilà, trois paires, donc voilà. Et tu gagnes des bons. Par exemple, là, j'ai gagné un bon pour avoir, deux bons pour avoir un thé ou un café. Deux bons, enfin, chaque jour, tu gagnes un bon, tu vois. Deux bons pour avoir une crêpe ou une gaufre au sucre. Donc, tout à l'heure, je suis allée à Auchan, vu qu'il y a le Flunch dans le Auchan où je suis. J'ai pris une crêpe au sucre. Il me reste une. Bon, jusqu'au 17. Je prendrai la semaine prochaine.
C'est pas un préféré au sucre, j'aime pas du tout, mais c'était bon, vraiment c'était bon. C'est dommage, il n'y a pas de chocolat, mais voilà. Soit vous avez des bons de réduction, genre des 5 euros. Moi j'ai eu 5 euros pour 5 euros d'achat. Donc avec 5 euros pour 5 euros d'achat, j'ai pris quoi? J'ai pris un petit muffin au chocolat. Ils ont trop envie, 2,79 €. Ça, je vais pas le manger aujourd'hui, je le mangerai demain. Parce que là, c'est bon. Il est presque 20 h, on va se calmer. Je mangerai de même. Et j'ai pris un petit Fanta à 2,50 €. Là, j'ai payé que 28 centimes. Parce que, bah, enfin, je pouvais pas arriver à 5 euros pile, tu vois. Donc, du coup, j'ai pris ça et ça pour 5,25 €. J'ai payé que 28 centimes. Et donc, ça vaut grave le coup. Soit vous avez des remises immédiates, genre 25% ou 15%. Donc, voilà. Il me reste une crêpe ou une gaufre pour la semaine prochaine. Et deux thés. Donc, vous prendrez un thé avec la gaufre et tout. À voir. Franchement, ça peut faire des goûters pas sympas, tu vois. Et j'aimerais bien gagner un autre 5 euros. Et les 5 euros, c'est pas valable sur les crêpes quand tu gagnes 5 euros. C'est pas valable sur les crêpes, c'est pas valable sur les glaces, ni les moules frites, ni les menus enfants. C'est valable sur tout. Donc, tu peux te prendre une pâtisserie. Enfin, voilà, tu vois. Moi, il n'y avait pas beaucoup de pâtisserie et tout. Je pensais plus à prendre des tartelettes et tout, mais il n'y avait pas. Donc, du coup, j'ai pris avec. J'ai pris ce qu'il y avait. Et donc voilà, pour mes courses gratuites du jour, ça vaut, franchement, ça fait plaisir d'avoir des trucs gratuits, quoi. De faire des courses gratuites. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Normalement, oui. Je sais plus. Ah non, non, faut que je me souvienne si je vous ai tout dit ou pas. C'est tout. Je crois que voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Insta. C'est le même nom que ma chaîne. Donc, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci. Je poste un peu plus souvent en story. Donc, du coup, voilà, j'ai trop soif là. Mon petit Fanta, ça fait plaisir. C'est 2,50 €. Ça coûte bien cher. Donc, bref, on se voit la semaine prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo et de nouveaux bons plans, j'espère. Là, j'ai plein de trucs à acheter sur Feed Feed Me. Vous avez, tu sais, la lessive Maison Verte? Oui. Vous avez 34% sur la belle adresse et vous avez 34% ou 30% sur Shopmium. Franchement, ça vaut grave le coup et le bon de réduction. Ça, j'attends juste d'aller à Leclerc dans la semaine et je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo. J'attends juste, voilà, de voir un peu, je pense, jeudi. Et je vous ferai une nouvelle vidéo. Bon, allez, bye, suivez-moi. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Si vous voulez mes codes parrainage, ils sont tous en barre d'informations. Et voilà. À la prochaine. Bye.